Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui une petite vidéo bonus, un tour que je voulais vous présenter un petit peu après, plutôt vers les 150 000 abonnés, et je me suis dit finalement pourquoi pas vous le présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, juste pour vous, j'espère que ça va vous faire plaisir, je vais vous démontrer comment débloquer à cause d'un bug tout simplement un iPhone. Alors si je vous le présente tout simplement ici, c'est parce que moi je l'utilise comme un tour de magie en fait. C'est un des tours de magie que j'utilise très souvent, mais il marche peut-être pas sur la dernière version vu que moi j'ai tout simplement un iOS 9, j'ai pas fait la mise à jour tout simplement. Donc moi je l'utilise comme un tour de magie. Je passe mon iPhone ou je prends l'iPhone de quelqu'un s'il a la même version que moi. Je lui demande de mettre un mot de passe si je lui laisse mon iPhone. Donc je lui demande voilà, mets ton mot de passe dans l'iPhone par exemple. Donc l'iPhone est verrouillé. Donc je vous assure, ce n'est pas truqué, je vais pas utiliser mes empreintes. Et tout simplement on va venir activer Siri en restant appuyé sur le bouton d'accueil. Rappelle-moi demain. Bonjour. Grégoire. On va lui demander de nous rappeler un truc. Rappelle-moi, demain c'est mon anniversaire. D'accord, je vous le rappellerai. Et là, il demande le code. Donc quand on fait le rappel, donc des fois il va demander le code et des fois il va pas demander le code, on sait pas pourquoi. Donc on va faire ça plusieurs fois. Rappelle-moi, demain c'est mon anniversaire. Donc là, il demande le code, du coup, on va faire annuler. On va verrouiller l'iPhone à nouveau. On va relancer Siri, on va réessayer. Rappelle-moi demain. D'accord, dites-moi simplement ce que vous souhaitez que je vous rappelle. C'est mon anniversaire. C'est noté, je vous le rappellerai. On clique dessus. Cette fois-ci, voilà, il nous a ouvert. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé avec des gens sans mon empreinte. Vous venez cliquer tout simplement ici et du coup vous êtes sur l'iPhone qui est déverrouillé. Ce que je vous présente là ne marche que sur certains iOS, donc n'hésitez pas, voilà, si vous voyez que la personne a la bonne version, il me semble que c'est sur iOS 9, tout simplement d'essayer, sinon de le faire avec votre iPhone si vous avez la bonne version également. En tout cas, c'était une petite astuce que je voulais vous partager, j'espère que ça vous aura plu. C'est fort probable que si vous faites les mises à jour, cela ne marche pas. Apple a sûrement bloqué ça. Il y avait une autre version avant en passant par la météo, tout ça. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Ciao!